Bonsoir tout le monde et bienvenue dans l'autre grand stade de Liverpool. Bienvenue à Goodison Park. Au commentaire, le Diego Maradona de Tours, Omar Da Fonseca et moi-même, Benjamin Da Silva, le Claudio Caniggia de Paris. Et c'est la Carabao Cup qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui. C'est qui Claudio Caniggia? Alexandre. Vous êtes un joueur de faute, hein. Ça va être très confiant, un très beau, très beau, très intelligent. C'est vrai que la confiance, c'est le sourire du talent. Et attention à ne pas trop rigoler non plus. La confiance, c'est le sourire du talent, mais attention à ne pas trop rigoler non plus. Omar Da Fonseca. Beaucoup de monde au milieu pour essayer de garder le ballon le plus possible. Non, mais toi, tu peux. Comment? Et voilà donc la proposition de cette équipe. C'est du classique, ce 4-4-2 à plat. Le principal avantage, c'est sa capacité à privilégier l'harmonie dans la gestion des espaces. C'est parti avec le coup d'envoi dans ce match. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Ouais, c'est bien joué, ballon par-dessus. Ouais, la parade. Le corner. Ouh, le dégagement raté et du coup l'action n'est pas finie. Ah, c'est récupéré très haut ça. Avec Keane maintenant. Oui, bien fait de la part du gardien. Attention la frappe. Le ballon là aussi. Ah, franchement, je kiffe cette équipe, bordel. Me fait et c'est donc l'heure de faire ses débuts avec son nouveau club. Et évidemment, on va suivre tout ça ensemble de très près. Ce qu'il manquait à cette équipe, c'est une capacité à poser le ballon, s'organiser autour de lui, garder le contrôle tactique du match. C'est le profil qu'il fallait pour ce poste. Alors là, pour le gardien, même pas besoin d'être un super héros, c'est cadeau. Oui, si près du but, c'est vraiment pas terrible. Et encore, on est gentil. Eh oui, le tir. Et ce ballon bien travaillé frôle le poteau. Bien fait ça, sans faute. Bonne progression dans le camp adverse. Ah, c'est bien parti. Et le goal. Voilà, le premier but du match. Très vite, l'ouverture du score. Goal. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite. Évidemment, ce n'était pas le plus difficile à mettre, mais bon, il fallait être là. Elle rêve, le réveiller. Oui. 1-0, donc, au tableau d'affichage.
Sans prendre de risque, la défense, le ballon est renvoyé. C'est contré, ce centre. Et attention, la faute dans la surface, c'est un pénalty. Et dans les règles de l'art, très bien tiré ce pénalty. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Oui, bien joué, le bon mouvement là. La frappe. Surpuissant. On le revoit sur ces images. Quelque part, on s'est dit que c'est mieux que leur gardien ne se soit pas interposé. Il a pu conserver l'usage de ses mains. Ça reprend dans cette rencontre avec Everton qui a 3 buts d'avance. Anthony. Oui, le bon geste défensif. La défense est battue. Oh, l'intervention. Oh, la faute et du coup un coup franc très dangereux. Allez, ce coup franc finit sa course dans les bras du gardien. Ça sort en touche. Les stats de possession s'affichent et elles sont en faveur d'Everton. C'est en partie grâce à l'excellente circulation du ballon que le score est aussi large. La tête et le but. Et voilà, ce geste parfaitement exécuté. Le coup de casque pour marquer. Oui, voilà le réalisateur. Il faut nous remontrer ce centre magnifique qui passe en revue toute la défense. Personne ne l'intercepte. À l'arrivée, ça donne une finition assez simple. Pas suffisamment de pression à la tombée du ballon. L'attaquant met sa tête en opposition et ça finit au fond de filet. Allez, ce ballon qui est perdu. Dele Alli. Everton dans le couloir, là, qui peut avancer. Oh, c'est dedans! Une trajectoire surprenante. Le ballon est dévié, mais ça fait but. On va pas mourir, hein. On revoit mieux sur ces images la frappe qui est déviée. Ça suffit pour tromper le gardien et être validé. Quelle première période impressionnante de leur part. C'est un festival de buts qu'on n'attendait pas aussi vite. C'est un vrai récital offensif. Super progression dans la moitié adverse. Ouais, superbe défense.
combinaison sur ce coup de pied arrêté. Et c'est une frappe. Et le gardien était bien vigilant. L'équipe essaye de jouer en deux temps. C'est dégagé ce ballon. À la récupération haute, bon pressing. Dans les bras du gardien, sans difficulté. Ah, la perte de balle. Ruben Vinagre. Ah, il mène au score, du coup, il garde au maximum le ballon. Oh oui, l'intervention! Bien joué, le gardien! Et il y aura 3 minutes de temps additionnel dans cette rencontre. C'est une récupération du ballon sur cette action. Ah, le ballon est mal donné et c'est perdu. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. Petit aparté, le temps pour nous de signaler la qualité de sa performance en attaque. Eh oui, toutes ses prises de balles, il dompte le ballon. Et il ajoute un peu de miel pour l'adoucir. Et il le transforme en un but délicieux. C'est de la haute gastronomie footballistique. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donnée à l'instant. Et voilà, un ballon récupéré. Le mercato pour un latéral espagnol, c'est officiel. Dani Carvajal a signé au Paris Saint-Germain. Et voilà, fin de la telenovela. Tout le monde s'est mis d'accord. Il va pouvoir enfin se préparer avec son nouveau entraîneur et ses nouveaux coéquipiers. Ouais, excellente intervention, le ballon est récupéré. Et c'est au fond, but! Pour moi, le ballon, il doit aller en retrait sur cette action. Mais là, on ne comprend pas trop son choix. Lui non plus, d'ailleurs. Et le score est donc maintenant de 5 buts à 1. Conservation défensive, le ballon circule dans leur propre moitié de terrain. La balle est interceptée. Allez, il y a de la place sur ce côté. Et le tir. Ah, la frappe est contrée. Et très bonne intervention du gardien. Anthony. Interception et récupération du ballon. Davis. Alors au programme des matchs à venir, nous aurons donc... Oh, c'est dangereux ça, attention!
Oh oui, le but, son troisième pour le triplé. C'est merveilleux et c'est tellement mérité. Quel réalisme. Regardez, la clé de ce but, c'est ce ballon très dangereux dans l'espace. Derrière, tout est plus facile pour attaquer. Et rien de tel pour finir cette action qu'une frappe franche avec beaucoup de puissance qui vient transpercer le filet. Et avec ce but, le score est maintenant de 6-1. Ruben Vinagre. Ah, évidemment, pas besoin de pousser, il mène au score. Alors, autant conserver le ballon. À l'occasion, peut-être ici, il la sort. Quel arrêt il vient de réaliser. Alors là, à cette distance, c'est vraiment une parade exceptionnelle. Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. Le corner bien tiré. Oh oui, quelle parade! Je la voyais dedans cette tête, mais le gardien a fait un exploit. Oui, faute, l'arbitre intervient. C'est un coup franc. Un peu d'excès d'engagement sur cette action, même si l'arbitre se contente de signaler la faute. Et il va falloir se contrôler un peu pour éviter le jaune à la prochaine. Ah non, c'est récupéré par l'adversaire. Coup de sifflet de l'arbitre, coup franc. Le centre est détourné. Le coup franc est accordé parce que l'arbitre a vu la faute. C'est pas méchant. Ah, le ballon est perdu. Davis. Eh bien fait, quelle ouverture! Ah, le stade réclame une frappe. Ah, pas mal, il y avait de l'idée, mais ça passe au-dessus. Et oui, quand on voit ces statistiques, on se dit que c'est comme ça que le football doit être joué. Des occasions, de l'efficacité, c'est pas compliqué en fait. Oui, attention à ce ballon-là. Et le ballon placé léger. Clairement trop enlevé, dommage, c'était bien vu. Davis. Ah, il s'est donné en profondeur. Oh là 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 là. Et encore un but. On n'arrive même plus à les compter. Ça s'arrête plus. Ça tourne à l'humiliation cette histoire. Regardez la passe initiatrice du danger. C'est dans le moment de la passe que la différence est faite. Évidemment, ce n'était pas le plus difficile à mettre. Mais bon, il fallait être là. Il n'y a pas match, les buts s'enchaînent, mais d'un seul côté, spectacle à sens unique. Un super tacle, ce ballon est récupéré.
Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. C'est bien parti. Et le poteau remet le ballon en jeu. Et finalement, le ballon récupéré in extremis, c'est dommage. Oh, c'est un bon ballon, ça. Bon réflexe, mais le ballon est repoussé. Ballon récupéré dans le camp adverse. Oui, c'est contré, bonne défense. Davis. Et ça arrive pour Vinagre. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Le ballon en touche. Ah, le double changement intervient avec cet arrêt de jeu. Et surtout ne pas perdre ce ballon. Un ballon récupéré. Avec Long. Davis. Elle s'est bien donnée dans la profondeur. Et le ballon vient buter sur le gardien. Très bien sorti sur l'action. Très vif sur ses appuis. Un bon placement et une bonne anticipation sur ce ballon en profondeur. Le corner. Et c'est sauvé sur la ligne au dernier moment. Nous y sommes.